En Iran, l'opposition a perdu en 2 jours 2 de ses membres, un père et sa fille. Le père, Ezatollah Sahabi, était une figure de la dissidence iranienne. Il est mort d'une attaque cérébrale dans la nuit de lundi à mardi. Sa fille, Haleh, était alors en prison après avoir été arrêtée lors de la répression des manifestations contre le régime en 2009. Elle avait obtenu une permission de sortir de prison pour les funérailles de son père. Selon le site d'opposition Kalemeh, Haleh Sahabi a été projetée au sol lors d'échauffourées avec les forces de sécurité et a succombé à une crise cardiaque. Hier, l'opposition avait invité les Iraniens à participer massivement aux funérailles d'Ezatollah Sahabi.